Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je voulais dire tout le monde merci. Parce que ça, c'est un projet que. Alors, une petite histoire, c'est que le Mika a préparé un projet pour 20 ans de carrière, pas vrai? Et puis, on a parlé, on a fait discussion. Et monsieur dit, monsieur, il y a un talent. Il y a un bagage que nous pouvons faire, Anissa, nous pouvons parler. Monsieur, qui ça lié? Monsieur dit, oui, projet Abdi Noël, il faut faire papa monter on stage. Je dis, Mika, je comprends ce que je dis, pas vrai, mais là, on a parlé de projet pour là, ça lui demande beaucoup plus de choses que organiser des concerts. Et que l'important, je dis, non, on va reprendre ça. Ça, c'est un bagage que Fon fait à Nessa. Et je remercie un pile et Events, Jazz Enterprise, parce que le Mika. Alors. Nous avons fait une conversation avec Mika le 11 octobre, justement pour nous faire suivre avec Event, parce que nous avons commencé à planifier tourner ça depuis le mois d'août. Et puis, bon, Mika, nous connaissons l'histoire, Mika a quitté nous un petit Jean Bonheur. Et nous avons fait une cérémonie à Miami, nous avons fait un enterrement à Haïti, moi relé Event, moi dit Event. Et Mika a voulu faire un projet ça, pas vrai, je ne peux pas faire sans où, je ne peux pas faire sans. De l'autre promoteur, mais New York, là, moi, pas capable de faire sans ou. Est-ce que ou va marcher ou faire la même? Et ben, dis-moi, si Lyon, si vous me montrez des textes que Mika t'a voué pour moi, moi, comprendre ce que je disais, c'était vraiment un rêve, monsieur, pour faire papa remonter on stage. Et nous faisons, et grâce à support Evans, grâce à support toute équipe, et Jazz Enterprise, Fleur de Vie, PSA Haïti, et tout staff, et bien sûr, et communauté, alors Vaval, nous avons communauté haïtienne de New York là tout qui vient en grand déplacement et avec tout artiste qui pral performer pour nous. Nous avons Danae qui là, nous avons Emery, nous avons Paul Beaubouin et nous avons Mélodie qui par la force des choses moi remonter on stage. Donc moi je veux dire nous merci. Merci pour déplacement nous, merci de support que et de l'amour que nous bail et famille hein, papa, maman et Mélo et qui permettent que nous capables continuer et chemin ça que Mika a tracé pour nous capable accomplir des projets que il te gagne. Et moi grand monde que moi pas l'inviter sur stage là qui c'est les Kalinda Magloire de Switch, pas vrai? Alors Switch c'est une compagnie qui fait des réchauds en Haïti, pas vrai? Et Mika c'est Mika son projet que Mika t'a couru dans le sens que pour aider que moun yo pas couper pied bois. Parce que là, nous n'avons pas coupé pied bois, nous encourageons à utiliser four à gaz de façon à ce que nous soyons capables de protéger l'environnement. Donc, maintenant, nous battons bravo pour Kalinda, qui va venir plus de détails de qui ça que Switch Haïti a fait avec Clean Cooking, de façon à ce que nous soyons capables de contribuer, je nous capables à une meilleure évolution de l'environnement. Merci. Merci. Et premier bail, d'après-midi, c'est bonne fête, Tilion. Merci. Ou kon tout bay. Yes. Et bon, je m'a obligé prendre note moi yo parce que depuis le mois d'octobre tout le monde déjà émotionné donc moi yo pas vinn facile. Et moi c'est Kalinda Magloire. I don't know. Creole is fine, right? Yes. Thank you. Et c'est Kalinda Magloire, moi c'est CEO Switch. Switch c'est une compagnie qui aide familles en Haïti passer de cuit manger avec charbon pour passer dans propane. Et au début, on fait compagnie ça il y a 10 ans, nous t'ai pensé c'est ton bagage pour environnement. Petit moi, m'a levé au Haïti, m'pas voulu te lever dans le désert. Et puis au fur et à mesure que n'a travaillé, nous réaliser c'est non seulement question environnement mais c'est question femme. Parce que il y a 8000 femmes chaque année en Haïti qui mourent de détresse respiratoire parce que y a valé charbon, la fumée charbon. Et Mika, c'est un monde qui t'est toujours paré pour l'embrasser toute cause qui a fait un bagage pour Haïti aller mieux. Donc, il était bon nous image, il était bon nous temps, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de générosité et comme ambassadeur de Switch. Et nous sommes éternellement reconnaissants à lui. Et je voulais remercier Lionel, Roselyne, Melo, Tilion, toute la reste famille que ils ont décidé de continuer à faire des torches là de questions, ça, questions et cuit manger propre là, et pour aider nous continuer parler à moun, expliquer moun qui j'en l'important. Parce que bah ça,
c'est pas un bail obligé convaincre mesdames en Haïti que faire ta cuite manger avec propane. Yo tout yo vle, yo tout yo connaît que li coûte moins cher, que li pi propre, que li pi bon pour santé, yo tout bagaille. Mais yo pas gagné cob là $100 et quelque là pour yo investir là-dedans pour yo ta ka joindre bénéfice. Et c'est une bagaille qui difficile en Haïti, c'est choisir qui priorité. Tout bagaille urgent, tout bagaille ta supposé faire fête kounyan. Mais ça c'est une rare dans bagaille que nous ka régler nous-mêmes. Parce que y a à peu près 2 millions foyers qui cap fait manger avec charbon. Si année ça pour Noël, nous décider d'envoyer un réchaud avec un bonbon gaz pour une famille, nous un petit cousin nous Haïti au lieu pour nous voyer un téléphone ou bien Nike, nous ca régler problème dans nous-mêmes sans pas passer par l'autre monde de haïtien à haïtien. Et chaque année c'est 40 000 pieds bois qui coupé. Nous ca régler ba ça de famille à famille, one stove at a time. Donc moi remercie en pile Lionel Melo, Roseline Tillion pour courage pour continuer nous aider nous dans bataille ça. Si nous voulez gain plus d'informations sur compagnie, nous ca aller sur site là qui c'est switchhaiti.com et nous ca voir comment elle fonctionne, qui ça nous fait jusqu'à présent et garder si nous voulez avec un seul clic changer la vie en monde et puis sauver deux trois pieds bois. Merci beaucoup. Oh, Naïka, m'te blie, m'te vle di nou. Fanatique Argentine, yo compliment.